Cette tuerie, c'est une communauté entière qui est sous le choc, qui est dans la peur en ce moment aussi, puisqu'on n'a pas encore confirmation qu'on ait trouvé Robert Card ou qu'on l'ait arrêté. Je joins à l'instant Kirk Reed, qui est professeur en études francophones au Collège Bates de Lewiston, justement, un habitant de là-bas. Monsieur Reed, bonsoir. Bonsoir. Comment vous tenez le coup ce soir? C'est difficile, hein? On est tous angoissés, nerveux, parce qu'on n'a pas encore trouvé le tireur. Donc voilà, tout le monde est séquestré et angoissé. Moi, ma famille, mes étudiants, c'est vraiment un moment difficile à vivre. Si on prend un pas de recul, on remonte à la même heure hier soir essentiellement. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu là, les premières heures de ce drame-là? C'était vraiment super difficile. Alors, je suis rentré de mon université où j'avais une réunion, une répétition pour l'inauguration du prochain président, tout annulé maintenant. Et je suis rentré, ma femme est rentrée, elle était en ville et tout d'un coup, le téléphone s'est allumé, l'ordinateur, tout sonnait et voilà, tout le monde commençait à se parler, à se souvenir et dire « Ah, vous avez vu, etc. » Donc c'était, et puis voilà, on allume la télévision et jusqu'à maintenant, voilà, ça, on n'arrête pas de regarder et de calculer et d'avoir des nouvelles. Est-ce que tout le monde, c'est une petite ville. Quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, parmi tout le monde qui travaille à l'université. Donc, on commence à souffrir vraiment maintenant parce que voilà, il y a des noms. Il y a des noms attachés à ces victimes. Est-ce que vous en connaissez certaines des victimes? Je ne connais pas. C'est un peu comme je connais les gens qui connaissent d'autres personnes. Mais non, personnellement, il y avait deux étudiants de Bates qui étaient près d'un des lieux, mais pas touchés, pas blessés. Et il y avait un employé qui a été quand même blessé, tué, pas tué, mais blessé, mais pas mortellement. Il semble qu'il va s'en sortir. Mais voilà, c'est dur. Maintenant, vous êtes barricadé littéralement. Les gens, vous ne sortez pas de chez vous. Vous avez tiré les rideaux. Vous êtes terré, là, parce qu'on ne sait pas où il est. C'est ça. C'est comme la guerre. C'est traumatisant. Il y a déjà Palestine, Israël, Ukraine. Etc. Et voilà, maintenant, c'est chez nous. Alors, on n'a pas le droit de sortir. Et même les étudiants ne peuvent pas sortir de leur résidence. Donc, on fait, je ne sais pas ce qu'ils font pour nourrir, mais voilà, la cantine est fermée, donc on va livrer, j'imagine, la nourriture. Donc ils sont traumatisés et ça va durer. Hein, ça ne s'arrête pas juste après. Donc, voilà, oui, c'est difficile. Est-ce que vous êtes inquiète des lendemains de cette tuerie pour votre communauté? Pardon, je n'ai pas compris le début. Est-ce que vous êtes inquiète de comment votre communauté va être capable de se remettre d'une telle horreur? Oui, tout à fait. Mais quand même, Lewiston, c'est une petite ville, une petite communauté. Il y a déjà des lieux où on peut se rassembler pour se soutenir, etc., si on veut virtuellement maintenant. Et demain, il y aura des lieux ouverts pour tout le monde. Et sur le campus, avec mes étudiants aussi, j'ai téléphoné à mes étudiants, j'ai envoyé des mails. Et il y a de quoi consulter pour dans le cas où vraiment ça devient trop. Mais voilà, ça va prendre une belle minute pour s'en sortir. C'est vraiment dur. Nous, vu d'ici au Canada, on ne comprend pas ce refus de la société américaine de limiter la prolifération des armes, de vivre dans une société comme vous, là, dans le Maine, où on n'a pas besoin de permis pour avoir des armes d'assaut, des armes de poing, qu'on peut se promener avec un fusil dans son pantalon pour entrer au magasin. Expliquez-le-nous, vu de votre point de vue. Expliquer, voilà, comment vous expliquer? Alors, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure et on disait, oh, c'est impensable, comment imaginer cela? Et je dis, c'est tout à fait logique, c'est pas impensable, c'est logique. Si vous vendez les mitrailleuses, comme ça, à tout le monde, c'est tout à fait logique ce qu'on vit. Et ça ne se passe pas dans les autres pays, et donc pourquoi pas, etc. Mais il y a une attitude de une fois que tu prends les mitrailleuses alors et les armes de guerre, puis les chasseurs n'auront plus leurs armes. C'est pas logique, mais on nourrit une certaine paranoïa
Je ne sais pas. Mais après Sandy Hook, j'aurais pensé, OK, ça c'est la fin. Les petits tués dans l'école. Mais voilà, là, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Pas avec la politique qui existe actuellement aux États-Unis. Même tout à l'heure, Susan Collins elle ne parlait pas contre les armes de feu à vendre. Donc voilà, ça va prendre vraiment du temps. Monsieur Reed, je vous remercie pour votre témoignage ce soir et prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos étudiants. Merci beaucoup et merci de votre attention.